Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, hein, plus de gros de temps, désolé pour les amoureux de ces moteurs-là. On revient un petit peu dans je dirais ce que j'ai plus l'habitude de faire, hein, donc à savoir là, je suis sur une paire de carter pour un moteur derby avec un kit 100cc tout fast dessus, donc cylindre, vilebrequin, etc. Voilà. Donc là, le client en fait m'a expédié ces carters-là pour uniquement pour la partie usinage et préparation des carters. Donc là, dans un premier temps, moi, j'ai déjà fait le passage des jupes du cylindre, comme vous pouvez le voir. Donc, on le voit ici et ici, hein, pour que le cylindre rentre dans les carters, puisque de base, c'est pas, enfin, ça rentre pas dedans, puisque c'est un diamètre 52, le sans fast. Donc voilà, et là maintenant donc hein, je vais continuer avec le passage de boîte à clapet et ensuite le passage de vilebrequin que je ferai sur le tour, je vous montrerai. Et du coup après bah, on enchaînera sur le grattage des carters pour le passage direct. Voilà. Yeah.
Ça y est les amis, les usinages du carter, des carters d'Herbie Euro 3 du coup sont terminés. Donc je récapitule un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par faire le passage des jupes du cylindre, le passage de boîte à clapet, le passage de vilebrequin, et j'ai fait sauter la partie des carters où il y a les numéros moteurs, puisque cette partie là nous fait toujours chier avec les gros carbus à taper dans les cuves. Donc voilà, bon, je te montre ça un petit peu ce que ça donne maintenant. Donc voilà, hop, je vais te mettre ça comme ça. Voilà un petit peu le résultat fini. Donc rendu plutôt tip top, hein, surtout pour le passage du vilebrequin que je fais sur le tour, hein, comme tu as pu voir. Forcément, ça va beaucoup plus vite et c'est le rendu est beaucoup plus sympa qu'avec une tête à alésée à la fraiseuse, hein, forcément. Donc le passage de boîte à clapet ici, donc fait avec une fraise sphérique, hein, puisque c'est ce qui me permet d'avoir en fait les bords en arrondi ici comme ça, plutôt que d'avoir un angle à 90 ici. Donc c'est toujours mieux, hein, pour l'écoulement du flux gazeux. Et donc comme je te disais, la partie ici avec les numéros moteurs et le bouchon de remplissage, en fait, parce que toute cette partie là en fait nous fait chier avec les gros carbus en fonction des pipes utilisées ou quoi que ce soit. Donc moi en fait je me pose même pas de questions, tac, à chaque fois ça dégage. Comme ça tout le monde est content. Maintenant ça va être traçage des transferts sur les carters et puis grattage des carters pour faire l'alignement, et puis la paire de carters sera terminée. Bon les amis, nous voilà au terme de ce vlog, hein. Moi les carters d'Herbie de Lucas du coup sont terminés. Donc je le rappelle, hein, qu'est-ce que j'ai fait dessus. Donc passage de vilebrequin, passage de jupe du cylindre, passage de boîte à clapet V-Force 3 de 85 CR et l'alignement des carters au cylindre. Je te montre tout ça un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça commence à être un petit peu connu, hein, ce que je fais sur la chaîne, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de montrer un peu son taf. Donc voilà, hein, donc avec le passage de jupe du cierne à ce niveau-là, ici le passage du piston au point mort bas, le passage de la bielle ici, passage des masses du vilebrequin à l'intérieur. Je vais t'ouvrir ça, hop, pour te montrer un peu mieux. Donc voilà un petit peu, hein, ce que ça peut donner. Donc comme d'hab, hein, pas de sablage chez moi, je suis pas fan du rendu. J'aime mieux un rendu alu brut, poncé comme ça, c'est aussi bien. Donc voilà ce que ça peut donner. Hop, maintenant, donc Lucas, hein, si tu vois cette vidéo, normalement oui, tu sais que tu peux venir récupérer tes carters et t'as plus qu'à faire, donc maintenant l'assemblage du mammoteur. Sur ce les amis, moi je vous souhaite une bonne soirée, encore merci à tous de me suivre et de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, lâchez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un j'aime sur la vidéo si vous voulez, et surtout si vous vous abonnez, ce que je souhaite bien sûr, pensez à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Allez, bonne soirée, salut.